Salut tout le monde, c'est GeekGenerationS4, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui je vais très très bien, je me suis bien levé, il fait un peu chaud. D'ailleurs là, mon père a encore changé de ventilateur, avant j'avais un petit ventilateur de bureau. Cette fois-ci je peux vous le montrer, il est en haut là, ouais, c'est le ventilateur mural qui est en train de tourner. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je fais des montages en plus pour essayer de retirer au maximum le bruit du ventilateur. D'ailleurs, je vais vous laisser le bruit là juste un instant pour que vous entendez. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de bruit. Du coup, moi, je suis obligé de retraiter le son pour faire en sorte que ça fasse moins de bruit. Mais normalement, ça devrait le faire. J'espère que ça va pas trop me poser de soucis, ce ventilateur au montage. L'ancien, ça ne posait pas trop de soucis. Donc, on verra. Alors, pour cette vidéo, les gens, je vais faire un truc tout con. Je vais aller faire des gelées. Je sais que dans la plupart des commentaires de la dernière vidéo d'une heure de drop, il y en a plein qui m'ont dit d'aller à Panda là, ou encore au Koala et tout. J'ai pris en compte vos commentaires, on fera ça dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai envie de vous montrer une petite technique pour vous faire des kamas assez rapidement. Pour ceux qui ont le sort de capture d'âme. Il faut savoir qu'une pierre de gelée, à peu près, il faut minimum 3 gelées rouges, sinon ça se vend pas trop bien. Une pierre de gelée avec 3 gelées rouges se vend environ 15 000 kamas. Donc là, c'est quoi ça? D'accord. Voilà, là tu vois, t'as 15 000 kamas. Alors je cherche une. Voilà, gelée. Fraise. Tu vois, 3 gelées. Tu peux vendre ça facilement à 15 000 kamas. Une pierre. Ça coûte 3000 kamas. Donc si tu vends à 15 000, tu te fais à peu près 11 500 voire 12 000 de bénéfices, ça dépend à combien tu vends, juste en attrapant une capture de gelée. Il faut savoir que j'ai déjà fait ça auparavant, j'étais arrivé facilement à 12-13 captures, mais j'avais retapé moi-même les captures en arène pour essayer de faire tomber le gelano. Mais vous, si vous voulez réellement des sous, vous attrapez des gelées et vous les revendez en hôtel de vente. D'ailleurs, vu que là, je vais passer pratiquement une journée au gelé, donc je tiens à préciser que dans cette vidéo, ça va être bien sûr raccourci. La vidéo va durer peut-être 25, voire 20 minutes. Mais là, je vais passer ma journée au gelé. Vous allez voir qu'on peut se faire énormément de kamas. Premièrement, j'achète 100 pierres. Oui, je suis peut-être un peu fou, mais je vais essayer de remplir 100 pierres. Dites-vous que là, si je remplis 100 pierres d'âme et que je revends, le chiffre d'affaires s'élève à 1 500. C'est assez énorme, sachant que là, je vais seulement faire une journée. Bien sûr, je ne suis pas du tout sûr de remplir les 100 pierres d'âme aujourd'hui. Mais vu que je vais passer ma journée là-bas, il faut savoir qu'au gelé, il y a plein de bots. Il y a plein de bots. En fait, moi, ce que je fais, je reste à une map et j'attends. Je vois que les bots lancent les combats, etc. Et dès que je vois un groupe avec 3 gelées fraises, ou que les bots ils sont encore en combat, et ben je clique dessus. J'ai une chance de drop le gelano ou d'autres items, d'avoir une petite capture qui vaut 15 000, et puis voilà. Si je drop un gelano, ça fait du bénéfice en plus. D'ailleurs, pour cet événement, je vais acheter, les mecs, je vais acheter des DD tutu. Là, ce matin, je suis motivé, je sais pas pourquoi. Je sais que j'avais dit que je voulais attendre mon élevage. Donc, re les gens, désolé pour cette petite coupure, mais mon petit frère a ouvert ma porte. Donc voilà, on va acheter des DD tutus. J'avais dit que je voulais attendre d'avoir avec mon élevage, mais là, vu que je vais passer une journée au gelé, je me dis qu'un peu plus de prospection ne me fera pas de mal. Les 4 corbacs que j'ai sur mes 4 gros personnages iront sur mes mules, et moi, j'aurai des DD tutus. D'ailleurs, dès que mes mules seront niveau 60, donc c'est pas encore le cas, je vais les équiper en panneau gelax lorsque je ferai les vidéos 1 heure de drop, pour vous donner une idée. J'aime bien ce concept, il y a plein de gens qui ont bien aimé aussi de savoir avec une heure de drop, combien on peut se faire de karma dans telle zone. Donc ça, c'est une petite série que je vais refaire après. Mais là, je vais acheter des DD tutu. Niveau 100, je tiens à le préciser. Et de préférence, pas castré. Sauf que les DD tutu pas castrés, c'est comme de l'or. Niveau 100, je tiens à le préciser. Niveau 1, il y en a quelques-unes. Mais niveau 100, ça vole un peu cher. Tu vois, niveau 32 castré. Niveau 100 castré. Alors là, s'il faut que j'en achète 4, ça va coûter bonbon. Calculatrice. Après, si j'ai des castrés, bah tant pis, hein, mais bon. 1 million 4 x 4. 5 millions 6. Aïe.
J'aurais pas assez de sous, donc ça me fout les boules. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Alors là, il y a une. Ah, ouais, mais reproduction, elle est quasi morte, hein. Moitié. Ah, il y a pas mal de tutus par contre. Il y a pas mal de tutus, donc ça, c'est assez intéressant. Je retiens cette DD. Encore. Ah, reproduction. Oh, lui, il me fait plaisir, lui, par contre. Il me fait assez plaisir. Je pourrais reproduire des DD tutus. En plus des DD que j'ai déjà, tu vois, et le revendre, vous avez vu, ça vaut assez cher. Même si là, vous avez l'impression que je dépense énormément. Mais pas tant que ça, pas tant que ça. Parce qu'elles sont pas castrées, donc ça c'est vraiment cool. Alors c'était qui? C'était Beau Jeu, hein. Il en a deux. Je regarde les autres rapidement. 1 million 4. Alors il y en a plein qui sont castrés. Là je pense que je vais acheter rapidement. Les deux qui sont pas castrés. Donc c'est une femelle. Est-ce que c'est un mâle l'autre? Ah, ça m'embête. Ces deux femelles, j'aurais aimé un mâle. J'aurais aimé un mâle. Bon les gens, je vais voir comment je fais. Parce que j'aurais aimé avoir 4 DD tutus sur mes 4 personnages. Ouais. Donc je fais une petite coupure et je regarde comment je fais. Peut-être qu'après la coupure, j'aurai déjà acheté les DD. Je verrai. Et re les gens, donc j'ai fait quelques petites opérations. Il y a un truc que j'ai pas encore terminé d'acheter, c'est un dernier Korbac parce que je peux pas avoir 4 DD. J'ai essayé de regarder à Brakmar, en mode marchand, etc. Mais c'est pas possible vu le prix. Et là j'avais même plus assez de Kama pour m'acheter un Korbac. Du coup comme un con, je suis en train de brader des clés blocs pour essayer de m'en sortir. Vu que j'avais 70 clés, j'en ai vendu 10 parce qu'il y avait une petite offre pour un petit Korbac. À 450 000, s'il n'est pas parti, bien sûr, mais normalement, non. Voilà, 450 000, 40 de prospection. Alors que là, il y a un 540 000, 35, tu vois. Donc, on va acheter celui-là. Et là, les mecs, je peux vous dire qu'on est pauvres. On avait 4 millions et quelques. Là, on n'a plus de sous. Et bon, vous savez le proverbe, hein, les camas, ça s'en va et ça revient. Ça, c'est pas un souci. Vous savez, là, j'ai plus de camas, mais je vous jure, les mecs. Hein, d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit d'essayer de ne pas faire un focus yop, mais genre quand j'ouvre la fenêtre d'un autre perso, de vous le montrer en même temps. Du coup je vais faire ça, je fais une petite coupure, je paramètre OBS et on se retrouve. Et re les gens, donc voilà, normalement c'est bon, tu vois, là on est sur mon yop. Et si je vais sur d'autres persos, vous pouvez voir sans souci. D'ailleurs il y a plein de personnes dans mes vidéos qui me disent fais attention, on voit ton adresse IP. Je sais les mecs, on la voit dans pratiquement toutes mes vidéos, mais j'ai une IP dynamique, elle change tout le temps. Du coup, pas de soucis, les mecs, pas de soucis. Donc là, les gens, voilà ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un Korbac. Il manque un perso, je crois, qui n'a pas de Korbac. Bah, c'est lui. Donc, on va lancer un échange et je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Donc là, vous en faites pas. On n'a plus de Kama sur aucun personnage. Je vais vous montrer de toute façon. Mais vous savez, les Kama, c'est pas un souci. Ça revient très facilement. D'ailleurs, là, je vais farmer les gelées. Vous allez voir. Alors, sur mon Yop, on a acheté une DD. Turquoise niveau 100, reproduction à 11, c'est pas grave, on pourra reproduire quelques-unes. Vélo d'Oop, on a un arbre. Merde, on a un arbre assez potable, hein. Il y a quand même pas mal de tutus. Il faut savoir que ces DD tutus là, je vais les reproduire. Et dès que j'aurai 8 DD tutus, ces DD tutus niveau 100, je pense que je vais les revendre, tu vois. C'est des kamas investis, mais au final, je les perds pas parce que quand je les revends. Ça vaudra toujours quasiment 100 000 kama unités. 1 million de kama les 100, tu vois. Quand elles sont niveau 100. Et quand j'aurai 8 DD tutu niveau 1, ben, je vais les mettre sur mes 8 persos. Et je vais les XP moi-même niveau 100. Au moins, ça m'évite de faire des dépenses pour acheter d'autres DD niveau 100 pour mes autres persos. Donc là, c'est des DD tutu pour de l'élevage. Mais en même temps, pour me dépanner un moment, tu vois. Mais après, je pense que je vais les revendre. Une fois que j'aurai quelques coups pour pouvoir reproduire de nouveau. Sur le Kra, on a également une DD tutu niveau 100, une femelle. Donc l'arbre, il est potable. Il y a quelques DD qui me font un peu chier. Mais il y a pas mal de tutus ici, donc c'est correct. C'est très correct. Le nunu qui a une DD tutu qui est déjà féconde. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Pas besoin de se casser la tête. L'arbre est pas top top au niveau des tutus. On a que 4. Sinon, il est assez potable. On a une petite prune émeraude là, une émeraude orchidée ici. Après, il y a quelques rousses qui traînent qui font un peu chier. Mais c'est pas trop grave.
Du coup, en prospection, mon INU il monte à 247. 247, je sais plus, il avait combien avec le core back. Je ne sais plus. Est-ce qu'il a toute sa panneau? Ouais, il a toute sa panneau. D'ailleurs, je vais m'inviter en groupe, on va voir la prospection totale après. Et tous mes autres persos ont des petits corbacks, donc ça rajoute 40 de prospection en plus, c'est vraiment pas dégueu. Vous avez vu, j'ai plus de Kama sur mes persos. J'ai plus de Kama, on va mettre le petit corbac sur lui. Et le petit corbac sur mon Sacrieur. Donc je vais inviter tout le monde en groupe et on verra à combien de prospection on monte. Et re les gens, donc comme vous le savez, j'ai 8 personnages dont un Nunu, donc théoriquement je devrais avoir 800 de prospection. Plus 20 avec le Nunu, donc 820 pour lui, personnage sans prospection. Mais là, avec les DD, les corbacks, etc., on monte à 1365. Je sais que c'est pas optimisé du tout pour aller dropper, mais ça fera l'affaire pour la petite séquence d'aujourd'hui. Ma team est pas opti pour dropper, hein, je tiens à le préciser. Mes persos sont en panneau XP, mes Udyok, etc., sont en panneau combat, donc voilà. Mais c'est histoire d'essayer de faire tomber quelques petits trucs. Et en même temps, une capture égale 15 000 kamas. Mon Nunu, il avait déjà des pierres qui traînaient sur lui. Donc comme j'en ai acheté 100 en plus. Donc là, il a 120. Et si, je dis bien si, j'arrive à remplir les 120 captures, ça me fait tout simplement 120 fois 15 000 kamas. Ça fait du 1 800 000. Donc pour vous dire que les kamas, ça s'en va et ça revient. Donc là, les mecs, je vais aller au gelé et vous allez voir comment on va procéder. Donc, relégeant, donc là il n'y a pas de bot, c'est assez bizarre. Et regardez sur quoi je tombe. 5 gelées fraises directement. Donc, on va lancer ce combat tout de suite. On va le faire tout de suite, ça c'est obligé. Et 5 gelées fraises, les mecs. Je ne sais pas à combien je peux vendre. Ça c'est pas 15 000 kamas, ça c'est clair et net. On met la petite pierre pour le Nunu. Et là, on va faire le tout premier combat. Donc là, mes persos sont pas trop bien placés, mais on s'en fout. Donc par contre, j'espère qu'il y a des bots, parce que sinon, ça me ferait un peu chier pour cette journée. Pour une fois que quelqu'un est content qu'il y a des bots, tu vois, c'est assez bizarre. Mais les bots me permettent de faire les combats que j'ai pas envie de faire, en fait. Du coup, c'est ça qui est cool. Donc on a un petit challenge posé, donc on va essayer de le faire. Je vais faire puissance. Je vais faire une compulsion. On va essayer de pas foirer le challenge par contre. Ça serait vraiment très con. Le Kra, il va faire un petit tir éloigné pour le Yop, pour qu'il puisse faire des épées de Yop assez lointaines. Donc finalement, c'est peut-être mieux comme ça que vous voyez un peu sur tous les persos comment je joue. Et pas être focus que sur le Yop. Au moins, bah, vous avez différents angles de vue sur les différents personnages. Donc là, je passe. Et je passe. Oula, j'ai lancé une fenêtre sans faire exprès. Hop, on va le terminer, je pense. Va-t-on dropper quelque chose? Ouh, le premier Gélano, premier combat. Oh my god. Donc là, vous avez vu le petit investissement des petites des tutus là qui fait bien le taf. Donc un premier Gélano, 120 000 kamas. La petite capture de 5 gelées fraises assez énormes. Donc là, les mecs, on est content. Donc, il y a des bots. Donc ça me rassure. Ils ont fait les combats que je voulais pas trop. Donc le petit Gélano. Est-ce que ça fait plaisir, les gens? Honnêtement, je suis très content. Donc là, les mecs, je vais vous dire, je vais passer ma journée ici. Bien sûr, je vais pas farmer H24. Je ferai des petites pauses. Je vais changer de jeu entre-temps. Mais je ferai le récapitulatif ce soir. Donc là, il est 8h11 en France, 6 janvier 647. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que je vais aussi poser un petit perco. Les percepteurs, je vais les retirer genre tous les 30 minutes ou toutes les heures, parce qu'il y a des 199 des fois qui se baladent et qui s'amusent à agresser tous les percepteurs. Donc il faut savoir que je pense aussi changer de map tous les 5 combats. Donc là, je fais 5 combats ici, ensuite j'irai à la map du dessous, je ferai 5 combats. Parce que quand on farm sur la même map, malheureusement, on a un malus de drop, du coup on peut moins dropper de Gélano ou autre. Donc je préfère changer de map, et de temps en temps, quand je m'ennuie en plus, je regarde les combats, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire tomber un Gélano, tu vois, je regarde que mon percepteur loot.
Et là, mon percepteur, je l'ai posé après. Donc là, par exemple, vous avez vu, il y a un combat avec une gelée fraise, donc ça m'intéresse pas. Du coup, je laisse les bottes faire. Et moi, j'attends tout simplement d'attendre qu'il y ait un groupe de gelée fraise qui pop, avec trois fraises minimum. D'ailleurs, je vais remettre tout de suite une pierre d'âme. Donc là, il y en a une, deux. Donc ça m'intéresse pas non plus. En plus, il y a trop de gelée bleutée. Hop, hop. Je ferme, voilà, au moins on est prêt. Donc ça là m'intéresse pas, mais des fois quand je me fais chier, tu vois, je peux les faire, mais sans capturer, je ne capture que les groupes avec trois gelées fraises. Donc là honnêtement, je suis content. Premier combat, un petit gélano, bien sûr, il y avait cinq gelées fraises, donc c'était assez top. Donc là, je vais farmer toute la journée. Si je réussis à remplir les 120 captures, donc tant mieux pour moi. Si je drop pas mal de gélano, peut-être que je vais pas vendre les captures, on verra les potes. Mais honnêtement, je suis tenté de les vendre parce que ça fait quand même 1,8 million de Kama pur. Donc ça, c'est vraiment top. En plus, c'est pas sûr que je drop tout le temps, donc je ne sais pas. Honnêtement, je pars sur l'idée que je vais vendre les 120 captures. Honnêtement, si j'arrive à remplir les 120 captures en une journée, ça fait 1,8 million de Kama par jour si on farme vraiment. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a deux gelées fraises, donc ça m'intéresse pas, mais je vais peut-être faire le combat. Donc là, les gens, je vais vous montrer les drops intéressants, genre quand je suis tombé des gélanos, je vous remettrai l'image du drop en live. Mais sinon, bien sûr, je vais pas vous filmer toute la journée, ça ne sert à rien. Du coup, on se retrouve pour quelques drops. Un petit message aussi que je vais vous faire passer. La dernière fois, quand j'ai fait 12 captures gelées, etc., il y en a qui m'ont dit: oh là là, tu plagias Jérémy Sadi, etc. Alors, il faut savoir que, bon, déjà, Jérémy Sadi a fait une vidéo comme quoi il allait arrêter de drop, etc. Et en plus, quand on drop au gelé, c'est pas du plagiat. Le plagiat, c'était si j'appelais par exemple ma série 10 minutes de capture gelée, etc. Là, oui, j'aurais totalement plagié Jérémy Sadi. Mais du drop, quel qu'il en soit, ça soit du tutu, du drop, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut aller dropper, de l'émeraude, des gelées, du drop à pandala. S'il y a d'autres personnes qui font ce genre de vidéos, c'est pas du tout du plagiat. Le plagiat, c'est sur un concept. Par exemple, les gens qui font des exos sur la 2.0, s'ils font des exos, tant mieux. C'est pas du plagiat de 100 coups de marteau, tu vois. S'ils avaient appelé leur série les 100 coups de ciseaux, par exemple, donc je dis n'importe quoi, là, ça aurait été du plagiat sur ma série des 100 coups de marteau. Mais du drop en lui-même, au gelé par exemple, c'est en aucun cas du plagiat, Jérémy Sadi. En plus, c'est pas du tout le même format. Vous avez vu, moi par exemple, la dernière vidéo c'était 12 captures, comme ça, au calme. Et là par exemple, ça va être une journée, donc c'est pas du tout du plagiat de YouTubeur. Donc voilà, petit message. Et religion. Donc, une petite annonce comme ça rapidement, je tiens à préciser, ne vous attendez pas à un truc de malade, hein. Je compte pas faire tomber X Gelano, et je suis même pas sûr de remplir toutes les captures, parce que pour vous dire, là, il est horloge 16h06, et j'ai pas fait énormément de combats que ça, hein. J'ai genre pierre d'âme 4, 8, 12, 13 captures, sachant que j'avais commencé apparemment à 8h, mais je tiens à rectifier ça. Quand chez vous il est 8h et demi, par exemple en France, faut savoir que chez moi il est déjà 11h30. Donc ma matinée elle était déjà cramée, tu vois. J'ai joué quoi, genre 30 minutes, 40 minutes, et il était déjà midi, tu vois. Après, de midi à 1h, j'ai pas vraiment joué, tu vois. Ensuite, j'ai joué de 1h à 2h30 à peu près. Et après, j'ai pu jouer parce que je suis parti au sport. Du coup, là, je reprends. Il est 19h chez moi. Oh mon dieu, j'aurais pas le temps. Là, enfin, va falloir que je me fasse à manger et tout parce que mes parents sont pas là. Du coup, ne vous attendez pas à un truc de ouf. Je ne sais pas si je vais faire la moitié des captures. Il me reste encore 106 petites pierres d'âme. C'est assez énorme. Mais sinon, je vais vous montrer un peu ce qu'on a droppé pour l'instant. Donc, pas de trucs de ouf. Velonex a droppé une Gélobotte et voilà ce qu'il a en ressources. Le Kra a droppé le Gélano du début ainsi qu'une Gélocoiffe. Ouais, ça va. Et en ressources, voilà. En plus, ce qui est bien aussi, c'est que je vous ai dit que mes persos plus tard seront équipés en panneaux Gelax pour dropper un peu plus
pour les combats où il n'y a pas besoin de sagesse vraiment, tu vois. Bah là, ça tombe bien en fait, parce que comme je fais les gelées, ben au fur et à mesure, je drop les items et ça me permet de équiper, enfin d'équiper mon ma team pour plus tard. Bon, les ressources, on s'en fout un peu. Je regarde les objets. Pas d'objets. Putain, moi, j'ai pas droppé beaucoup de choses pour l'instant. Bon, j'ai pas fait énormément de combats non plus. J'ai dû faire 15, voire 16 combats. Ah, il y a le Osamodas qui a droppé une petite amulette. Donc voilà, ben moi je repars dropper, je vais attendre qu'il y a des combats. Je vais voir en dessous, peut-être s'il y a des... Enfin, trois jolies fraises. Non, il n'y en a pas. Bon ben moi je vais continuer, on verra si je fais tomber d'autres trucs ou pas. Et religion, donc là je vous fais une petite annonce rapidement. Je viens d'apprendre il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a week-end double XP et drop. Donc du coup là, dans une heure de temps, ça va être effectif. Et je pense que je vais arrêter pour le moment de farmer les gelées. Je pense que je vais aller chercher une autre zone pour ce drop du week-end double XP. En plus, là, y a des personnes qui squattent ma map. Du coup, je vais aller bouger carrément. Mais vu que la vidéo est assez courte, je pense, quand je ferai le montage, je reprendrai le drop au gelé. Parce que faut avouer que ça rapporte quand même pas mal de kamas. Une petite capture comme ça, 15 000 kamas. Donc là, sur mon UNU, j'en ai du coup 4, 8, 12, 16. Calculatrice rapidement. Donc du coup maintenant vous pouvez voir la calculatrice en écran aussi. Avant vous ne voyez pas et maintenant oui. 16 fois 15 000. Du coup tu vois là on s'est déjà fait 240 000. Plus un Gélano, on arrive facilement à 400 000 kamas. Tu vois, donc c'est vraiment pas mal. Du coup moi je vais reprendre ce drop là une prochaine fois. Et je vais me préparer pour le week-end double XP. Je pense faire comme d'habitude une vidéo récapitulative pour le farm du week-end double XP. Du coup, ben, on se retrouve pour la suite de ce drop dans quelques jours. Et re les gens. Donc du coup, là le week-end double XP est fini. Mais malheureusement, je ne vais pas reprendre le drop des gelées maintenant. Parce que vous allez voir dans la vidéo du week-end double XP vers la fin, j'explique que je vais optimiser ma team pour le drop. Du coup, ça sert à rien que je continue de vraiment dropper maintenant parce que je vais m'optimiser pour dropper encore plus tout simplement. Du coup, je voulais juste vous montrer que finalement, bah, mon UNU, on a quand même pas mal de captures. Donc, il y a quelques captures qui traînent, des scorbuts, etc. Donc, ça, c'est parce que c'était avec le week-end double XP. D'ailleurs, au moment où je vous poste cette vidéo, la vidéo du week-end double XP sortira le lendemain. Donc, ça vous fera deux vidéos en 2 jours. Sinon, on a quand même plein de captures de gelées. Alors, je crois que, ouais, les scorbuts, on n'en a pas tellement. On doit avoir 4 ou 5. Donc, voilà, on a tout ça. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 23. On en a 26 à peu près. Donc, si je vous fais un petit calcul bref, calculatrice, si on vend ça à 15 000 kama unité, tu vois, on s'est fait quand même 400 000 kamas, donc c'est pas à négliger. Sachant que là, je vais peut-être les vendre. Je sais pas si je vais les taper maintenant. Je vais sûrement les vendre. Mais je tiens à préciser que quand vous verrez la vidéo du KWP et tout, je vais expliquer que je vais m'optimiser. Normalement, je vous dis bien normalement, je vais me lancer dans l'achat des pierres d'âme. Donc c'est-à-dire que je vais plus farmer systématiquement les maps. Mais s'il y en a parmi vous qui veulent se faire des petits kamas, j'achèterai vos pierres d'âme gelées, genre 3 gelées fraises minimum, ou des scorbuts, etc. Mais j'en dis pas plus parce que ça, je pense que j'en parlerai dans une vidéo dédiée, justement pour vous dire si vous avez besoin de kamas, je peux acheter vos captures, etc. Un peu comme Jérémy Sadi, tu vois, Jérémy Sadi, quand il faisait ses vidéos, des fois il y a des abonnés qui lui vendaient des captures. Ben là, ça sera le même principe, mais j'attends d'être optimisé. Pour ça, vous verrez la vidéo du week-end WXP, j'explique tout ça vers la fin. Du coup, les gens, ça va être la fin de cette vidéo. Elle était assez courte, mais en même temps, le week-end double XP m'a assez surpris. Parce que Dofus, ils font un peu chier sur Facebook, tu vois. Ils ont annoncé le week-end double XP le jour du week-end double XP. Je sais pas, c'est pas un truc qui se fait. T'as le week-end double XP. C'est un événement qui a une fois dans l'année en théorie. Donc, il y a eu un récemment, mais c'est à cause des rollbacks, etc., etc. Mais normalement, c'est une fois dans l'année. Ils peuvent au moins faire l'effort de prévenir une semaine à l'avance. Là, j'étais obligé de même demander sur Facebook, est-ce que la 1.29 est compris dedans? Parce que j'étais même pas au courant. Du coup, ça a un peu baisé ma vidéo, si je peux dire ça comme ça, parce que
Ben, je tournais cette vidéo, puis j'ai appris qu'il y avait un week-end double XP. Du coup, j'étais obligé de couper en plein milieu de vidéo, si je peux dire ça. Du coup, pour me faire pardonner, les gens, on va faire un petit truc sympa. Rappelez-vous, j'avais droppé un Gélan. Merde. J'avais droppé un Gélano dans le premier combat que j'avais fait. Ben, du coup, je vais vous le faire gagner. Je vais être assez sympa, donc je sais que j'ai besoin de Kama pour stuff ma team, justement, pour l'optimisation, mais c'est pas grave. C'est juste un Gélano qui coûte 160 000. J'ai envie de vous le faire gagner. Donc, pour gagner, ça va être très simple. Vous tapez dans les commentaires hashtag je participe suivi le nom d'un pseudo de votre personnage. Ne mettez pas toute votre team, juste un perso, tu vois. Et je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo qui suivra le week-end double XP. Donc là, il y a cette vidéo que vous voyez maintenant. Le lendemain, il y aura la vidéo du week-end double XP. Et dans la prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort. Bon, il n'y aura pas que ça dans la vidéo, bien sûr. Il y aura sûrement le stuff de ma team pour vous faire gagner ce Gélano. Donc hashtag, le dièse, là, je participe. Et le nom d'un de vos personnages, je précise qu'il faut être sur le serveur Enual. Si vous êtes sur Erat, ça sert à rien de participer au jeu parce que je suis pas sur Erat. Donc voilà les gens, bonne chance à vous. Moi je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ça vous aura montré qu'on peut se faire des kamas quand même avec les pierres gelées. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc la vidéo double XP qui sortira demain. C'était Geeks1974, portez-vous bien les amis. Ciao!